Pas de surprise du côté de la Banque Centrale Européenne qui maintient ses taux directeurs à 1%. En revanche, les investisseurs et les cambistes ont accueilli avec enthousiasme le succès des émissions obligataires italiennes et espagnoles. Résultat, l'euro regagne du terrain face au dollar. On repasse au-dessus de la barre des 1,28 à 1,2813 pour 1 euro. Et puis du côté de la parité dollarienne, le billet vert recule légèrement. On est à 76 yens, 73 pour 1 dollar dans les premiers échanges à Wall Street.